bienvenue au Théâtre Saint-Georges pour cette grande soirée. Et avant de commencer, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements aux élèves qui viennent de passer. C'est les élèves de la Manufacture de l'Acteur. La belle, la grande, l'unique, Pépita! Je voudrais savoir, mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Avec leur geste à plein de chants. Oh la souhaitine, monsieur Dupont! Où sont les femmes? Ouvre-moi, Périclès. Deux. Thierry. Voilà, Thierry. Il m'a pas vu, je crois. Enfin voilà, tu me diras, c'est peut-être le hasard. Oula, ma voix a changé. Écoute, journal, ça ne sort plus que comme ça, donc. J'espère quand même que ça va revenir. Tu me diras, ah, c'est revenu. J'appelle l'équipe numéro 5. Okay. Tell me a story that I want to hear. All right, cool. Now I will so say... you, fuck, shut the down. Et c'est l'équipe numéro 6. J'aimerais que ce dernier cours soit consacré à une question plus pratique. Comment réagir lorsqu'une panne survient? Que ce soit avec votre femme, coup d'un soir ou autre choix de vie discutable. Mais avant de commencer, j'aimerais vous recommander quelques ouvrages de référence sur le sujet. Le dernier essai de Stéphane Bern. Panne régulière et si vous étiez simplement pédé. On n'a pas la même notion du théâtre subventionné, hein. Si c'était ça, j'irais plus souvent. Sous quel astre, bon Dieu, Orphise, faut-il que je sois né pour que même fois tu me cuisines du panais. Numéro 9. Et l'équipe gagnante est l'équipe numéro 12. Ah, pour moi, trouver du travail, ça a été comme une aventure. Et c'est ainsi qu'après le bac, brevet d'aptitude au chômage, je pris possession de mes armes, CV, lettres de motivation, et je suis parti avec mon plus fidèle destrier. Hashtag mes pieds. Et c'est vers l'inconnu que je partis sans jamais me retourner quand je vis au loin un royaume connu de tous les gros. Le Macedo. J'ai donc continué ma quête et... que vois-je? Les gens disaient donc vrai. C'était un lieu béni de tous les dieux. Une auberge où tout le monde était comme moi. Pôle emploi. Merci. Et la première équipe en finale est l'équipe numéro 6. Mais dis donc, Jean-Pierre, tu ne chantais pas une petite chanson en anglais? Donc voilà, on a effectivement une classe impro qui va vous faire un petit intermède. On s'était dit que c'était original dans un spectacle d'impro d'y insérer un petit peu d'impro. Mais Jason, Justin est mort? Justin est mort? Mais oui. Annabelle l'a tué? Parce qu'elle a appris qu'il l'avait trompé avec sa sœur. Mais j'ai vu Justin au mariage de Léa la semaine dernière. Quoi? On m'a menti? Encore un coup de Jean-Jacques. Comme tu le sais, Svetlanus.
J'ai pris exemple sur Zeus. Pour acquérir ce galbe. Te séduis-je ? Alors, vous applaudissez Lucille et Christelle qui ont le courage d'aller sur scène. Il y en a un qui n'est même pas rentré. Il s'est planté. Il est même parti, là, il a changé son passeport. Merci beaucoup. Mais que se passe-t-il réellement quand un vegan mange une chipolata ? À ton tour ! À votre tour ! Super ! C'est génial ! Ah, et c'est l'équipe numéro 12 ! Je vous souhaite un théâtre super rempli pour vos spectacles et de très très beaux spectacles. Je vous aime tous très fort et on se revoit très vite !